sommes tellement bien amusés aujourd'hui. On a un peu fait les folles et je lui ai promis que dès que j'aurai un moment, je posterai nos souvenirs de notre journée passée ensemble sur mon blog. Et j'ai commencé à mettre les photos. Ça prend quand même un peu de temps. Amanda? Amanda René? Bonjour. Tu es Amanda? Oui. Moi c'est Anaël. La jeune voyageuse. Oh, ça va? Ça va bien toi? Oh mon Dieu, quelle surprise! Oh. Je suis arrivée un peu plus tôt. Ouais. Je m'étais perdue, mais là, oh, ça Dieu. Va, je me suis retrouvée. Ah, oh. Bienvenue. Merci. Ici, c'est chez moi, à Forêt-Noire. C'est au centre de Mahé. Et Mahé, c'est l'île principale des Seychelles. Et comme vous avez constaté, c'est pas trop loin de la ville Victoria. Alors, on est tout près là. Oui. Ça va? Oui, ça va. C'est un peu chaud? Oui. C'est les Seychelles. Alors, je te visite un peu la maison. Bien sûr. Allez-y. Alors, ici, c'est mon jardin. Comme vous avez constaté, j'ai des orchidées. C'est ma mère qui fait le jardinage et tout ça. Moi, je ne touche pas à ça. Ouais, on les a taillées. Et on a le goyave, les bananes ici et là. On a aussi des épices, du thym, du persil là-bas et du piment. Parce que moi j'adore le piment. Ouais. Mais les Seychellois en général, ils ont des jardins ou... Oui, en général. Mais si on habite dans un appartement, parfois non pas, mais il y a le gouvernement les encourage de planter chez eux. Les appartements, parfois on voit des petits plants, des épices et tout ça. Et les jeunes comme toi, est-ce qu'ils cultivent ou est-ce qu'ils Oui, parce qu'il y a une institution post-secondaire pour l'agriculture. Il y a des jeunes qui vont planter, apprendre comment faire du jardinage et tout ça, et ils deviennent des fermiers et tout ça. Là, c'est mon carpon. On l'appelle le carpo parce que parfois on garde la voiture là. Et c'est là où on dîne parfois parce qu'il y a la télé là. Et c'est à l'extérieur et quand ça fait chaud, au lieu d'être à l'intérieur, ça va à l'extérieur, il y a du vent et tout ça. Ouais, alors, c'est beaucoup mieux. Ouais. D'accord. Et ça, c'est quoi ton arbre de Noël? Ouais. Mais. Nous allons le décorer peut-être dans 2 jours ou quelque chose comme ça. D'accord. Beaucoup de Seychellois aiment les arbres de Noël naturels et tout ça. Il y a un bon. Ça sent bon et tout ça. Et c'est juste hors de ma chambre. Parfois, on le met là. Alors, c'est juste en dehors de ma chambre. Mais moi, je sens. Quand je me réveille le matin, j'ai ce parfum de Noël. Ouais. Et bien là, on a des anthuriums. Et ce sont des anthuriums de Seychelles? Non, on n'a pas des anthuriums ici. On les achète à Maurice et Singapour. Ah oui, ouais. Oui, quand j'étais à Maurice, j'ai appris qu'il y avait pas mal d'anthuriums là-bas, mais j'en ai pas vu. Ma mère les achète à Maurice. Allons-y, on a vu les anthuriums, alors là nous allons voir les orchidées. Ce sont les fleurs préférées de ma mère, les orchidées. Là, on n'a pas trop de variété parce que ma mère a coupé un peu les orchidées pour y mettre sur la tombe
de ma grand-mère et tout ça, sur sa famille. Si vous venez en peut-être juin, là vous aurez, vous voyez une variété de couleurs et il y en a même une, c'est un peu mauve. Ça sent très très bon. Ouais. C'est très parfumé. Je sais que les orchidées ont des noms, parce que moi-même j'ai une orchidée à la maison, mais ici, vous différenciez les variétés ou des choses Il y a des variétés comme celle-là, on l'appelle Benda Orchids. Ça c'est les orchidées normales et tout ça. Mais c'est ça que ma, c'est des orchidées comme ça que ma mère préfère, parce qu'il y a beaucoup sur une branche, et on peut mettre pour la maison, tout ça. Parfois, elle coupe. Elle met que deux branches et c'est très beau. Pour la décoration. Ouais, pour la décoration. Mais il y a une superstition. On dit que les orchidées portent malheur quand on les plante à la maison. Mais j'ai jamais entendu parler de ça parce que je plante les orchidées chez moi. Mais par contre, est-ce que les orchidées sont d'ici ou ça aussi elle a importé? Il y avait une ferme d'orchidées à Barbaron et quand c'est fermé, ma mère a acheté un peu. Mais la plupart, elle achète à Singapour. Oui, Singapour, on sait que la fleur nationale est l'orchidée, alors parfois elle va à Singapour et elle achète des orchidées. Alors, bien, je vais vous montrer l'intérieur. Ici, c'est la chambre de mes parents. Justement, voilà Auntie Daniela. Bonjour. Elle s'occupe de mon grand-père et elle nous aide un peu à la maison et tout ça. C'est comme une deuxième maman. D'accord. Deuxième maman, ouais. Mais j'ai vu que la chambre de tes parents est séparée de la maison. Oui, c'est séparé parce que la maison là-bas, c'est la maison familiale. Y habitaient mes grands-parents, ma mère et tout ça, mon oncle. Mais quand ma grand-mère est décédée et tout ça, ma mère s'est mariée. Elle a construit une petite chambre pour elle, à part, et c'est indépendant. Il y a sa propre toilette et tout ça. Un peu de privacy. Un peu d'intimité. Oui, intimité, tout ça. Alors, nous allons visiter la grande maison. Oui. Allez-y. Là, c'est dans la grande maison. Et c'est ici où je fais mes devoirs. Et c'est mon table de travail, ici. Donc, tu vas à l'école? Oui, je suis à l'école avancée. Je fais des études avancées en Soyal. C'est très très loin, à peu près 30 minutes dans le bus. Et tout le matin, je dois me lever très tôt, prendre le bus pour aller à l'école. Je fais 4 sujets, le business, maths, l'économie et le finance. Ouais. Et je vois tes formules de maths là. Ouais. Et c'est facile? Un peu, mais il y a beaucoup, il faut travailler dur. Et quelle est ta matière préférée? Le business. Oui, j'aime bien le business, c'est un peu facile. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Quelque chose dans le finance. J'aimerais avoir une bourse pour aller à l'étranger, étudier un peu, mais je veux revenir au Seychelles, travailler ici et tout ça. J'aimerais aller à l'Angleterre, étudier en Angleterre. Est-ce qu'il y a un job spécifique que tu as choisi? J'aurais voulu faire quelque chose dans le tourisme. Mais ma mère, elle ne veut pas. Elle ne veut pas trop. Ouais. D'accord. Donc tu ne comptes pas rester aux Seychelles? Non. Peut-être pour 2 ans étudier à l'étranger. Puis, mais je veux revenir, définitivement. Revenir dans le pays, travailler. Ouais. Et là, je vais vous faire visiter les chambres. Alors, ce sont des photos que ma grand-mère a achetées en Beyrouth, quand elle travaillait à Beyrouth. C'est quoi Beyrouth? C'est en Lebanon. Ah, ok. Ah, ouais. Là, c'est la salle de bain. Et là, à gauche, c'est la chambre de mon grand-père. Okay. C'est là où il y a son télé.
dans toute son confiance, on faisait la salle de bain tout proche. Mm-hmm. C'est le WC. Mm-hmm. Et justement, c'est la chambre de mon frère. Ça s'appelle Ryan. Ryan. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça va? Mm. Tu fais quoi? Je lis un livre. Ok. Bah, je te dérange pas plus longtemps. Au revoir. Et je vais vous présenter ma chambre. Ça, c'est ma chambre. Ok. Allez-y. C'est mon ordinateur. J'aime passer du temps sur mon ordinateur, sur Facebook, MSN, chatter avec mes copains, tout ça, mes copines. Et vous avez facilement accès à Internet, ouais, les gens d'ici? Oui. Parce qu'il y a 3 Internet Service Providers aux Seychelles. Et je crois que tout le monde a l'accès à l'Internet. Et ce n'est pas trop cher. Alors, c'est affordable. Et tu passes beaucoup de temps dans ta chambre? Un peu. J'aime dormir, alors je suis toujours en train de m'allonger sur le lit ou sur l'ordinateur. Et j'aime un peu d'intimité, alors je ferme ma porte à clé. Et... Mais s'ils m'ont besoin, ils me crient, ils m'appellent et je sors. D'accord. Ouais. Je vois que c'est très efféminé. Oui, 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 avec mes crèmes et tout ça. Produits de beauté. Ouais. Donc il y a 2 lits, mais tu es seule dans cette chambre? Oui, je suis seule. Mais parfois, quand j'étudie et je suis en train de dormir ou la nuit, j'utilise un lit seulement et parfois je mets mes livres sur un lit et tout ça. Étant très jeune, je vous avoue que j'étais curieuse de savoir ce que les jeunes ici mangent. Je veux dire, je veux savoir dans les détails ce qu'ils mangent. Comme Amanda, je voulais savoir ce qu'elle mange en général. Et j'ai vu que quand même la culture dans l'océan Indien, c'est à peu près la même cuisine dans chaque pays. Mais chaque pays a quand même sa particularité et c'est le cas justement aux Seychelles. Et là, nous sommes dans la cuisine. Il y a mon père qui prépare un poisson grillé. C'est un plat typiquement des Seychelles. Et il y a du cacatois, je crois. Le cacatois, c'est le poisson. Rosé. Rosé cordonnier. C'est le cordonnier. D'accord. Et c'est du poisson frais de Seychelles. Oui. D'accord. Poisson qui vient juste à la mer ce matin. Vous avez pêché vous-même? Non, non, non. Un ami. Un ami qui allait pêcher ce matin. Mm. J'allais chercher pour préparer pour déjeuner. Mais qu'est-ce que tu manges le matin, le midi, le soir généralement? Le matin généralement parce que j'aime pas trop le temps, mm-hmm, pour prendre le petit déjeuner parce que je dois aller à l'école. Mais j'aime bien un jus de fruits, un peu de thé, de l'eau ou des céréales ou du pain brun avec de la confiture. Ouais. Et le déjeuner, parfois une salade, petite salade, du poulet ou du poisson fumé. Okay. Et au dîner, ça se passe comment? En famille? Au dîner, c'est pas, ça se passe en famille, mais on prend le dîner plutôt tôt. Moi, je prends le dîner vers 5h, 5h30, parce que après ça, je dois étudier, alors je prends le dîner très tôt. Et je mange tout, je mange ce qu'ils ont préparé à la maison. Et ce sont des produits locaux? Oui, locaux. D'accord. Parce que c'est lui normalement qui cuisine, okay, pendant la semaine. Et est-ce que tu aides à la cuisine toi aussi? Oui, oui. Toujours. Ok. Et les jeunes en général, est-ce qu'ils consomment des fast-food? Et quel fast-food qu'ils consomment? Ouais. À peu près, ils aiment les chips, lasagne, pizza et tout ça. Et aussi, ils aiment bien la nourriture créole. Est-ce qu'ils mangent plus des fast-food ou ils mangent plus des homemade, je veux dire, à la maison, en famille? Je dirais plus de fast-food parce qu'à l'école, la plupart du temps à l'école, vous les voyez avec les chips et tout ça. Je dirais plus des fast-food. Donc là, le poisson est prêt. Dehors pour le mettre sur la braise. Parce qu'on a déjà marinadé.